Nous nous retrouvons pour la quatrième partie de cette vidéo où nous allons poursuivre ce voyage donc de Pluton dans le signe de la Vierge. Et donc effectivement, on parlait de cette affirmation de l'égalité des deux sexes, de la reconnaissance de la sexualité donc non procréatrice et non conjugale, donc permise par l'évolution scientifique, l'évolution bien sûr juridique, et donc par aussi l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs. Donc on retrouve beaucoup donc cette volonté, cette affirmation de la femme de vouloir s'émanciper. Et donc là, je vous ai dressé la carte du ciel de l'année 1965. On voit effectivement donc en 65 Uranus et Pluton qui sont en conjonction dans le signe de la Vierge. Donc Pluton qui pourrait représenter l'argent, donc bien sûr la sexualité, Uranus l'indépendance, la liberté, l'émancipation. Donc ça représente tout à fait l'archétype de la femme qui se veut l'égale de l'homme désormais. Donc les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à travailler. Donc là, on retrouve la notion de vie quotidienne de la Vierge, donc qui veut être l'égale de l'homme. Désormais, les femmes donc peuvent contracter un crédit, ouvrir un compte bancaire, sans forcément avoir l'aval de leur mari. Alors, on voit également apparaître en France des femmes iconiques qui s'avéreront même être de véritables sex-symboles, à l'instar, par exemple, de Brigitte Bardot ou encore Michel Mercier. Alors, très rapide coup d'œil sur la carte du ciel de Brigitte Bardot, donc du 28 septembre 1934 à 13h15 à Paris. Donc, elle est balance, ascendant Sagittaire. Et donc, si on se met bien sur sa carte du ciel, vous avez visualisé tout à l'heure Uranus, Pluton, donc dans le signe de la Vierge. Donc, on retrouve en fait en conjonction avec sa Vénus à elle, c'est-à-dire Vénus, le maître de son signe solaire. Donc, Vénus, bien sûr, la planète de la beauté, magnifiée par Neptune. Et encore plus sublimé, je dirais, par la conjonction Uranus-Pluton, justement, qui lui permet de s'ériger en véritable sex-symbole. Voilà. Là, vous reconnaissez Michel Mercier en pleine force de l'âge, et donc dans son traditionnel rôle, qui a fait beaucoup de succès, donc Angélique. À travers leurs films, ces deux actrices vont désinhiber les femmes et montrer en fait qu'elles peuvent prendre le pouvoir par le sexe et non plus le subir. Nombreuses sont les réalisations qui mettaient en valeur justement à l'époque des héroïnes menant leurs courtisans par le bout du nez, par leur audace, bien sûr, leur intelligence et leur beauté. D'ailleurs, à l'époque, l'un des vêtements à la mode, c'était la mini-jupe. Alors les hommes, quant à eux, se sont inspirés du style Elvis, avec la génération des yéyés, qui vont adapter les tubes anglo-saxons au style à la française. Alors cette époque sera marquée par la génération de Salut les copains, des stars montantes de l'époque, comme le regretté Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, dont les noms de scène sont d'ailleurs anglo-saxons, son inspiration anglo-saxonne. Bien sûr, on a Sylvie Vartan, on a eu Jean-Jacques Debout, Hugo Frey, etc. Donc toute cette génération-là a fait la renommée de la chanson française. Alors toujours sur le vieux continent, mais cette fois outre-Manche, au Royaume-Uni, on a les Beatles, le mouvement des Beatles, John Lennon, également les Rolling Stones. Alors c'est vrai que dans la vidéo précédente, on avait légèrement parlé, abordé le phénomène du King, de Elvis Presley, qui avait déferlé dans le monde, et particulièrement sur le vieux continent. Il faut en fait vraiment se remettre dans le contexte de l'Amérique de ce milieu des années 50, au moment où lui a émergé. On l'avait vu à la faveur de Pluton notamment, mais il y a également Uranus, bien sûr, toujours, les deux se suivaient à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des valeurs, l'Amérique profonde était marquée par les valeurs puritaines, traditionnelles, bien ancrées dans les mœurs. Sa grande force, en fait, c'est qu'il était venu libérer, donc là, on retrouve bien Uranus, Uranus-Pluton fédérait donc les Américains en rendant, en fait, le rock'n'roll universel. À l'époque, en ce milieu des années 50, on n'appelait pas encore ça le rock'n'roll, mais le rockabilly. Donc c'était un mélange en fait de country, donc musique plutôt wasp, des white anglo-saxons, c'est-à-dire plutôt blanche, mélangée en fait avec la musique blues, blues en si, donc musique plutôt afro-américaine. Donc comme on l'avait expliqué, les années 50, c'était une année un peu terrible avec le McCarthyisme, sans oublier, bien sûr, qu'il y avait la période de la ségrégation en fait raciale. Donc il y avait, bien que l'esclavage bien entendu était aboli depuis un petit moment, dans les faits il y avait une forme d'apartheid. D'ailleurs on fête en ce moment donc l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Donc cette personnalité effectivement a beaucoup fait pour les droits civiques des noirs américains.
Donc la ségrégation, hein, elle était à la fois raciale, mais aussi musicale. C'était chacun de son côté, hein. Et c'est vrai qu'Elvis, hein, avec son apport, sous l'impulsion justement de la transgressive, hein, Uranus et puis Pluton, hein, les deux associés, ont bousculé les codes. Il incarnait en fait la séduction et le charme personnifié, donc par le visage, hein, qui deviendra intemporel et traversera d'ailleurs avec sa coupe banane, hein, les générations, par-delà les frontières et les cultures différentes. Donc sa voix suave, rocailleuse, ainsi que les déhanchements endiablés vont bousculer les mœurs de la vieille Amérique puritaine, au point que la presse d'ailleurs à l'époque, donc c'était le reflet, hein, vraiment d'une époque très conservatrice, le qualifiera de pornographe. Donc c'est vous dire. Donc là on retrouve effectivement le bousculement des codes, des valeurs, mais également la sémantique plutonienne, hein, puisque Pluton, comme vous le savez, est rattaché, hein, donc très étroitement à la sexualité. Alors côté cinéma, bon, qu'on avait déjà parlé, hein, ça c'était sur la période Pluton-Lion, hein, de l'âge d'or en fait du cinéma américain. Mais côté cinéma français, les années 60 sont très importantes. On voit des stars émerger comme Jean Gabin, que vous voyez à l'écran, donc qui est du signe du taureau, était du signe du taureau ascendant poisson. Et il avait d'ailleurs une Pluton à l'époque, hein, donc qui était, si on se mettait sur sa carte du ciel, donc là je vous laisse regarder par vous-même, hein, vous verrez qu'il a une tête du dragon en vierge, hein, d'ailleurs. Hein, et donc c'est sur son descendant, en fait. Hein, donc ce qui lui a donné justement cette force, hein, pour qu'il puisse effectivement exceller dans son domaine. Et on avait également une autre star qui était Lino Ventura. Alors Lino Ventura était cancer ascendant vierge. Donc vierge en plus au tout début du signe, donc il a reçu la force, hein, de Pluton, donc pouvoir justement faire parler son charisme à l'écran. Alors toujours dans un registre, hein, qui cadre davantage avec la symbolique plutonienne, hein, on commence à voir l'industrie des films à caractère pornographique, hein, qui commence à prendre une dimension de plus en plus importante et participe justement à cette tendance libertaire et libertine, hein, qui s'inscrit dans la société, hein. Donc là encore une fois on retrouve, hein, les valeurs virginales qui sont débridées par les deux, hein, Uranus-Pluton, et donc c'est dans cet esprit là un petit peu, donc dans ce climat en fait, hein, qui se prête, c'est vrai, je dirais à une forme de libertinage, puisqu'on a donc les maladies sexuellement transmissibles, hein, comme la syphilis par exemple, hein, qui peuvent désormais se soigner. Donc là on retrouve le côté vierge par le soin et par la médecine. C'est vrai qu'il y a il y a une sorte d'insouciance en fait, hein, d'une certaine manière, donc qui permet justement cet esprit un petit peu libertaire. Alors c'est dans cet esprit, hein, révolutionnaire que de nombreux foyers de contestation commencent. On commence à les voir vraiment s'étaler un petit peu partout, naître un petit peu partout, et à critiquer en fait, hein, les effets pervers de la société de consommation. Donc on voit les contre-cultures se développer, rejeter en bloc les valeurs traditionnelles, hein, le mode de vie de la génération de leurs parents, la phallocratie, c'est-à-dire le pouvoir, hein, des hommes, le tout consumérisme, le productivisme. Donc on voit également, hein, le mouvement hippie, qui est une des illustrations, si vous voulez, hein, de tout ce mouvement révolutionnaire de mai 68. Alors avec le recul de l'histoire, on peut se demander, hein, si mai 68, qu'on cite d'ailleurs souvent tout le temps, hein, comme référence et pour cause, hein, puisque ça fait d'ailleurs 50 ans, on fête le 50e anniversaire, et puis en plus on avait bien Pluton et Uranus, hein, qui sont venus dépoussiérer les codes, hein, les valeurs de la société, qui étaient effectivement, c'est vrai, très corsetées et qui en avaient bien besoin. Mais est-ce que, pour autant, c'est un horizon indépassable? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements de grève un petit peu plus importants, ou des mouvements, ou même que les gens commencent un peu à avoir un certain ras-le-bol, disent « Tiens, on espère qu'il va y avoir un nouveau mai 68 », mais est-ce vraiment un horizon indépassable? N'a-t-elle pas fini, hein, cette fameuse révolution ou révolte de mai 68, finit par aboutir à notre époque par une contre-révolution? Donc ça, c'est une question que je pose. Après, vous aurez chacun peut-être votre avis. Moi, je vais vous donner quelques arguments. Est-ce que donc ce slogan, hein, qui avait été brandi fièrement par des têtes de proue comme Daniel Cohen-Bendit, par exemple, hein, il est interdit d'interdire, n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines valeurs traditionnelles, donc quand même, qui tiennent une société debout, qui ont été aussi complètement jetés aux orties, en même temps que toutes les valeurs qui avaient effectivement besoin d'un dépoussiérage en profondeur.
D'ailleurs, on voit aujourd'hui de plus en plus de gens, hein, depuis quelques années maintenant, faire une référence permanente, assez, en tout cas assez régulière, au général de Gaulle. Chaque fois dire, tiens, le général de Gaulle, est-ce qu'il aurait été mis en examen, s'il avait été mis en examen, est-ce qu'il se serait présenté aux élections présidentielles, est-ce que le général de Gaulle aurait fait ci, est-ce qu'il aurait fait ça? Donc là, on voit bien qu'en fait, il y a une forme au-delà de la référence, effectivement, puisque c'est le héros quand même de la libération des années 40, des années les plus sombres de l'histoire de France, donc qui a permis effectivement de tenir quand même une certaine France debout. Au-delà de ça, il y a quand même un certain regret de certaines valeurs, et d'ailleurs, beaucoup de parents, beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient peut-être avoir des valeurs peut-être un petit peu plus... donc qui soit beaucoup plus traditionnel justement, hein, donc il se réfère à cette période-là. Alors ce dont il faut se souvenir, c'est que le général de Gaulle, hein, mettait à l'époque tout en œuvre, hein, pour assurer à la France son indépendance nationale, et il freinait en fait, hein, la construction européenne en pratiquant la politique de la chaise vide, hein, notamment au moment de la proposition sur le financement de la politique agricole commune, la PAC, élaborée en 1965. Et puis surtout quand il y a eu l'élection, ou du moins la nomination, de Walter Hallstein, donc, qui était en fait un proche d'Hitler. En fait, hein, c'était un juriste à l'époque proche d'Hitler, donc qui est nommé à la Commission européenne, donc une instance décisionnaire de ce qui allait devenir, de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne, qui à l'époque était la communauté, pas encore la communauté européenne, mais c'était déjà l'Europe. Et effectivement, de Gaulle, par sa politique de la chaise vide, donc freinait toutes les avancées pour pas qu'il y ait un transfert, davantage de transfert des pouvoirs de la nation, de transfert de souveraineté justement à cette instance qui était non élue et qui allait prendre ensuite, hein, toutes les décisions donc à la place des peuples. Donc voilà, hein, un article publié par Gazette française 14-12-2015, l'histoire de Walter Hallstein. Donc voilà, donc là vous voyez bien comme moi, c'était un juriste, un proche d'Adolf Hitler, qui était-il, etc. Donc là vous pouvez vous renseigner. Alors on nous a souvent parlé, on nous a présenté sans arrêt les pères fondateurs de l'Europe, hein, Schuman et Monet, hein, qui en réalité, avec le recul pareil, hein, de l'histoire, et là à nouveau on retrouve Pluton, hein, qui régénère, qui fait remonter à la surface des vérités cachées, cachées de longue date. Donc on s'aperçoit en fait que Monet... on le sait aujourd'hui, un agent de la CIA. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo très rapide, très courte, de Marie-France Garraud. C'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations. Et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu... Mais il le portait, c'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Alors là, si vous voulez, il y a une autre émission d'ailleurs, hein, c'était Ce soir ou jamais, présenté à l'époque par Frédéric Taddeï, d'ailleurs qui a disparu depuis la circulation, c'est-à-dire que l'émission a été supprimée, parce qu'effectivement ils invitaient encore à l'époque des personnalités, donc il y avait encore la liberté de parole, et donc on voyait par exemple le titre de cette émission, c'était donc Marie-France Garraud, Jean Monnet, un agent américain payé pour détruire les États européens. Donc on aurait pu mettre un point d'interrogation. Voilà, donc là je fais le lien aussi avec notre époque. C'est aussi pour ça, hein, que je tenais à revenir vraiment en arrière, pour que vous voyez un petit peu, tout ça c'est pas gratuit, hein, de faire tout ce travail-là d'analyse. C'était aussi, bien entendu, j'aime beaucoup l'histoire, et je pense que les gens qui suivent, hein, doivent l'être certainement, mais c'est aussi pour faire le lien avec notre époque. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire à la fin en parlant du Capricorne, mais il y aura tellement de choses à dire à ce moment-là que je le fais aussi de temps en temps. Donc en 2009, on a eu un article, mais il y en a plein qui sont sortis comme ça, 2 avril 2009, donc les archives secrètes de la CIA. Et là, on apprend par exemple que pendant 4 ans, Jean de la Grandville, responsable des services des pactes et des affaires atomiques et spatiales, hein, qui voit passer tous les accords secrets, va informer au jour le jour la CIA sur la stratégie de Gaulle. C'est par lui que les Américains vont apprendre que la France a décidé de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Donc ça, c'est très important de le garder en tête, puisque c'est un débat aujourd'hui qu'on a, avec toutes les guerres qu'il y a, puisque l'OTAN, normalement, était censée être supprimée
Donc à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire dès l'écroulement en fait, hein, de l'Union soviétique, ben, en fait, on voit que l'OTAN a eu d'autres attributions bellicistes, puisqu'on voit toutes les guerres illégales, hein, qui ne respectent pas la non-ingérence, qui ne respectent pas l'autodétermination des peuples, donc va bombarder, va guerroyer. Donc voilà, donc ça veut dire que les Américains, à l'époque, hein, savaient tout, presque, grâce à leurs espions ou à des informateurs comme Charles Hernu, qui, à la fin des années 60, en relation étroite, encore une fois, avec des agents de la CIA à Paris, rédige des notes sensibles à destination de l'agence de renseignement. Donc il y a un livre même qui révèle comment Washington a encouragé les opposants à De Gaulle, hein, qui se sont réjouis d'ailleurs de la déstabilisation en mai 68 et avaient même préparé un plan secret d'intervention militaire en France au cas où, etc. Donc tout ça pour vous dire que là, on se retrouve à nouveau encore dans ce que je disais dans la précédente vidéo, on parlait de la Vierge, donc le doute, la suspicion, hein, augmenté, donc démultiplié par Pluton, justement, hein, donc qui vient effectivement valoriser cet aspect-là de la Vierge. Alors on ne peut pas parler forcément des années, milieu des années 50-60, sans faire une référence au général de Gaulle, donc un petit coup d'œil forcément sur sa carte du ciel, 22 novembre, 1890 à 4h du matin, donc Scorpion ascendant Balance. Donc là, on retrouve le Scorpion, Scorpion gouverné par Pluton. Donc voilà, donc effectivement, De Gaulle, hein, a été de passage au pouvoir. Hein, donc dès 1946, avec le gouvernement provisoire, mais donc il a eu. C'est l'un des instigateurs, hein, de la Constitution, donc la Ve République, 1958. Donc 1969, hein, il a façonné de main de maître, hein, la Ve République avec ses qualités et ses défauts. Donc pour donner, en tout cas à l'époque, hein, dans cette période de crise, puisqu'il y avait des crises politiques récurrentes, hein, avec la 4e République, donc c'était un régime extrêmement mouvementé, régime parlementaire qui n'était pas très bien ficelé, avec des renversements de gouvernement, et ça s'était encore accru avec la crise algérienne qui avait éclaté, avec d'ailleurs la Toussaint Rouge, donc encore une fois on retrouve le Scorpion, 1er novembre 1954, donc c'était un petit peu avant l'avènement de Pluton, et donc on a eu cette transformation donc, de la part du général de Gaulle, donc, qui a façonné la Ve République, et donc on peut observer que Pluton donc, gravitait, hein, dans le signe de la Vierge, bien entendu, et donc qui lui a donné l'autorité. Il y avait Saturne, hein, Saturne l'autorité, sachant que la Vierge, elle est en aspect favorable avec le Scorpion, hein, d'accord. Donc c'est de là, fonctionne en harmonie, donc ce qui lui a donné justement ses prérogatives supérieures. Alors le général de Gaulle, hein, comme vous le savez, c'est aussi le choix de l'atome, hein, et du nucléaire, donc là on retrouve bien la sémantique, hein. Pluton, Uranus, plutonium, uranium, hein, on pourrait extrapoler en parlant de ça, pour assurer, en fait, hein, à l'époque, c'était, en tout cas l'argument qui a été avancé, l'indépendance de la nation. Ce choix a été de mettre l'arme nucléaire, hein. C'est vrai que ça a été fait, je dirais, en fonction de l'arme nucléaire, qui était quelque chose d'important à l'époque, hein. C'était vraiment s'affirmer sur la scène internationale comme un grand, en fait, hein, quelque part, hein. Mais c'était aussi, en tout cas, l'argument qui a été avancé, c'était parce qu'on n'avait pas le choix aussi, puisque la France ne dispose pas d'hydrocarbures, contrairement à d'autres pays. Maintenant, il y aura les mouvements écologistes qui commençaient déjà à naître, à poindre le bout de leur nez à cette époque-là, donc qui disaient qu'on pouvait faire autrement, qu'on aurait pu choisir, par exemple, le solaire. Mais que si on a choisi cette voie-là, c'était pas uniquement pour rouler des mécaniques sur la scène internationale, ou parce qu'on était, dépendant, on n'avait pas le choix parce qu'on n'avait pas de ressources, hein, en hydrocarbures, mais parce que c'était un général et que les généraux aimaient bien tout ce qui fait boom d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu formatés à cette mode-là, quoi, si vous voulez. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la Vierge sans parler d'écologie, puisque c'est un signe qui est vraiment porté sur l'écologie. Donc c'est aussi un signe rationnel, hein, qui est associé au modernisme à l'époque, hein, d'Uranus, donc, et à l'exploitation de la Terre au sens minier du terme, hein, comme la symbolique de Pluton, hein, qui amenait en fait l'agriculture à des utilisations de plus en plus massives d'engrais chimiques, solubles et de pesticides, hein, une politique agricole
intensive. Donc le mot d'ordre, c'était produire toujours plus, c'est-à-dire être efficace, efficace comme la Vierge, hein, pour répondre ainsi aux nécessités économiques immédiates. Donc la qualité était considérée comme un obstacle au sacro-saint productivisme. Et c'est là où on retrouve la contradiction, puisque la Vierge, c'est le signe de la qualité, le signe de la perfection. Et donc là, on retrouve la contradiction d'Uranus-Pluton, hein, d'accord ? Donc c'est vraiment l'époque où on a utilisé de façon massive, hein, des engrais chimiques, herbicides et autres pesticides industriels. Et tant pis pour la dégradation progressive, hein, de la fertilité naturelle des sols, la pollution des nappes phréatiques et la multiplication des maladies. Hein. Donc c'est dans ce contexte hostile, hein, que naît l'agriculture biologique, hein, qui était désavouée et ridiculisée par les institutions et autres sociétés savantes de l'époque. Alors on ne peut pas ne pas parler de cette époque sans évoquer en fait un Mao Zedong, et donc notamment ce qu'on appelait le grand bond en avant, hein, qui s'est produit de 1959 à 1961. Donc c'était sa doctrine en fait, hein, pour parachever la révolution communiste, hein, puisque comme vous le savez sans doute, donc le grand timonier, il est appelé comme ça, avait accédé au pouvoir. Donc en tout cas, il avait mis en place plutôt un régime communiste à partir du 1er octobre 1949, hein, après la longue marche, hein, de 1935, débutée d'ailleurs sous le cycle, hein, Uranus en taureau. Donc là, je déborde un petit peu du cadre de Pluton, mais Uranus en taureau, qu'on va retrouver d'ailleurs cette année. Donc c'est une question qu'on peut se poser, va-t-on avoir une nouvelle révolution en Chine, puisque c'était vraiment un mouvement révolutionnaire. D'ailleurs, le cycle d'Uranus en taureau, on le retrouve auparavant, et donc qui avait déjà amené un mouvement révolutionnaire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, en tout cas, à l'époque, hein, sous le cycle de Pluton en Vierge, c'est tout de même 35 millions, hein, de gens qui sont morts de faim avec ce fameux bond en avant. Donc c'était plutôt un bond en arrière avec des exécutions des gens qu'en fait, qui mouraient de faim, qui mouraient... ça mourait vraiment de tous les côtés. Donc en 27 ans de pouvoir, hein, il faut savoir que Mao Tse-tung aurait tué 70 millions de personnes, hein, plus que Staline et Hitler réunis. Là encore, on reconnaît l'œuvre, hein, de Pluton dans ses pulsions destructrices, ses pulsions mortifères, quant à la fin, justifie les moyens, puisque l'auteur, hein, du célèbre petit livre rouge disait en fait, hein, dans son livre, hein, qu'il aurait été prêt à sacrifier 300 000 Chinois, 300 000 personnes, une grande partie, hein, du peuple, hein, la moitié du peuple à l'époque, hein, qu'il dirigeait, parce que depuis la population a beaucoup augmenté, mais il était prêt à sacrifier tous ces gens-là pour amener, s'il le fallait, la Chine au terme, hein, de sa grande marche vers le communisme. Alors nous avons fini donc ce voyage de Pluton en Vierge, et on passe tout de suite à Pluton en Balance. Donc le transit avait démarré le 5 octobre 1971. Jusqu'au 5 novembre 1983. Alors là, c'est important puisque le Pluton en fait se retrouve à la fois au milieu du ciel, hein, de la carte, hein, du thème des États-Unis, donc la Balance, mais également en dissonance, hein, par rapport au signe du Cancer. Et donc on voit déjà les difficultés économiques, hein, poindre le bout de leur nez, et effectivement le président Nixon, quelques semaines donc avant, hein, le début du transit, c'est-à-dire au mois de juillet et au mois d'août surtout, le président américain Nixon annonçait la fin de l'étalon or. Donc cette nouvelle, hein, sonnait comme une véritable onde de choc, hein, pour le monde. Hein. Donc on retrouve bien ici l'influence de Pluton, planète du pouvoir et des métamorphoses, dans le signe de la loi, qui est aussi gouvernée par Vénus, hein, la planète de la monnaie. Donc on lit bien, donc, hein, Nixon suspend la convertibilité du dollar en or, et décide de faire du dollar une monnaie flottante. Donc là, le monde entier est frappé de stupeur, effectivement. Là, c'est une des plus grosses, arnaques du siècle, quoi, je dirais. Hein. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce coup tordu a été fait le 15 août, l'annonce, en tout cas, officielle à la télé, quand tout le monde, en fait, est en vacances. Ça, c'est souvent comme ça. Et là, on en a un autre coup de... Là aussi, pour moi, à mon sens, hein, après, il y a des économistes qui vont vous dire « Non, mais j'ai suffisamment étudié la question pour vous dire que c'est vraiment une sacrée escroquerie. » C'est cette loi bancaire, hein, donc, puisque le système financier, en pleine mutation, vote une loi le 3 janvier. Donc là, pareil, hein, quand tout le monde
est encore en train de décuver son, son champagne ou sa bouteille de vin bu pendant le réveillon. Donc le système financier en pleine mutation. En France, hein, le gouvernement Georges Pompidou, sous la houlette de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, votait, hein, sous l'influence de, donc, du monde financier, la loi bancaire du 3 janvier 1973, qui interdisait désormais aux États de se financer sans intérêt à la Banque de France. Hein. On voit ici le début de la confiscation en fait, de la monnaie nationale au profit des banques privées, hein, qui vont au fil des décennies s'enrichir sur le dos des peuples par les intérêts de la dette et aggraver dans le même temps les dettes souveraines des États. Alors, c'est très intéressant. Donc là, vous allez voir un petit extrait, mais vous pourrez retrouver ça sur Internet. Hein, ça a été dupliqué plusieurs fois. Donc on retrouve un Michel Rocard en personne. Donc il incarne quand même, il faut garder ça à l'esprit, la deuxième gauche. Hein. La deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche du côté libéral, un peu l'équivalent de Valls, Tony Blair, etc. Hein. Donc, c'est-à-dire qui est plutôt pour un aménagement, hein, du capitalisme financier que plutôt que sa contestation. Et c'est souvent comme ça chez les êtres humains, souvent à l'article, hein, quand on se rapproche soit de la retraite ou plus proche de la mort, et là on retrouve le côté plutonien, eh ben on se met à faire des aveux, on se met à dire des vérités qu'on n'aurait jamais dites avant, en pleine carrière, au moment où on s'avance, hein, dans sa carrière, où on a besoin on a son ambition, on est jeune, on est tout frétillant. Et donc c'est très intéressant donc, d'écouter, puisque là c'était une vérité dite par un homme d'État quand même. Hein. Oui, puisque l'on prend tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, ça s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90, 91% du produit national brut, c'est un peu effrayant. La dette s'est moins augmentée du surplus post-Lehman Brothers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine, ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines ont depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel à 0,01% d'intérêt aux banques en difficulté, les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile ? C'était donc possible de l'éviter. C'était votre question. Mais on reprend dans un instant, bon, car alors, on doit faire une... Donc par rapport à notre propos astrologique, dont vous l'avez bien compris, c'est on rentrait dans une séquence en fait de déséquilibre, c'est-à-dire que normalement la balance... C'est le signe, effectivement, de l'équilibre, hein, de l'harmonie. Et là, avec Pluton, ben, il y avait une inversion de la perspective. Et donc, c'est en fait le début de la fin des fameuses 30 glorieuses. Et d'ailleurs, le début du premier choc pétrolier, avec cette fois les pays arabes producteurs de l'or noir, hein, qui sont en pleine guerre du Kippour, qui nationalisent, rationalisent et font tomber... le cours du brut. Donc l'Occident retient son souffle, hein, car son modèle économique est vraiment ultra dépendant du pétrole. Hein. C'est le début vraiment de la crise économique, hein, qui sonne comme un profond bouleversement mondial, à la fois économique, social, sociétal, écologique. Hein. Là, on avait commencé à parler d'écologie, donc bien avant dans le cycle de Pluton en Vierge. Hein. Donc les chocs pétroliers de 73 et 79... Voilà, ainsi que les différentes catastrophes, tant environnementales que technologiques, vont vraiment faire prendre conscience des dangers et de la rareté des ressources. Alors désormais, hein, tous les rapports, hein, de force nord-sud et enjeux économiques, géopolitiques et militaires seront désormais intimement liés aux variations des prix et de la production du pétrole. Donc là, si on fait référence justement au tout début de notre intervention dans la première vidéo, hein, on avait bien évoqué justement la découverte, hein, ou du moins on avait relancé, hein, la filière pétrolière justement à la faveur, hein, du transit
de Pluton dans le signe du Cancer. Et là, ce qu'on retrouve justement sur le plan astrologique, donc c'est ce que je vous disais à l'instant, donc on retrouve hein, justement cette dissonance, donc Pluton au carré hein, du Cancer, donc cette influence disharmonique entraînait la remise en question de cette industrie, mais en même temps, il y avait des manœuvres, hein, des stratégies, justement, pour permettre aux puissances financières et pétrolières hein, de garder leurs prérogatives. Alors nous voilà déjà à la fin de la quatrième vidéo, donc on se retrouve tout de suite pour la cinquième partie.